Alors, ce plan caméra est pas terrible. Ouais. Alors là, je sais pas trop comment je peux faire pour monter, hein. Non mais sérieux, je me comment là? Ah. Sûrement par les airs. Jacob a rassemblé les combattants au haut village pour les préparer à ça. Les enfants et tous ceux qui sont prêts pour se battre seront cachés dans les catacombes de l'acropole. Donc ça c'était du tête de scénario hein, et du coup j'espère que ça qu'elle me le redira. Qu'elle me le redira une fois que j'attendrai quoi. Pour dépasser ce point, une de fil de fer est requise. Et j'ai pas ça. C'est ça? Merde. Bon bah go scénario hein. Il manque un objet. Cachez-les dans les grottes et les ruines. Quand vous aurez terminé vos préparatifs, rejoignez-le au village. C'est compris? Oui! C'est compris! Bien. Alors allez-y. Que le prophète soit avec vous. Bonjour. Bonjour. Je peux faire quelque chose pour toi? Je sais que tu es occupé. Les trinitaires ne vont pas tarder. Il y a beaucoup à faire. Mais je voudrais aider. Laisse-moi te montrer que je suis de votre côté. Excuse-moi. L'heure est grave pour nous. Je sens que tu es une fille bien, mais les bonnes intentions ne t'aideront pas à survivre ici. Ces nouvelles têtes de flèches ne sont pas bien taillées. Une flèche mal taillée, c'est mieux que pas de flèche du tout. On ne sait pas quel genre d'armure ces envahisseurs portent. Je suis pas sûr que ces flèches suffiront à les dispenser. Bonjour. Bonjour. Au moins là, les gens ils sont polis, regarde. C'est habillé en barbare, mais ils sont polis. Ils me disent bonjour. Voilà. L'arrivée des trinitaires, la souffrance des gens qu'ils blessent. Tout est de ma faute. C'est moi qui les ai menés jusqu'ici. Bon sang, l'histoire se répète encore. Les gens souffrent à cause de moi. Non. Tu ne dois pas le voir comme ça, là. Ou tu finiras dingue. Les trinitaires auraient fini par trouver cet endroit. Au moins, j'ai une chance de les arrêter. De trouver la source divine en premier. Et d'en faire profiter le monde au lieu d'y semer peine et souffrance. Il faut que je reste concentré. Je dois continuer. Pour ceux qui sont morts. Pour tous ceux que j'ai perdus. Du coup, équipement, qu'est-ce que je peux équiper là? Pas de munitions pour pistolet. Stabiliser recul. Ok, ensuite.
J'avais pas chopé un nouveau fusil, moi, déjà? Non? J'ai besoin de votre aide. Notre peuple est dispersé dans la vallée. Si vous allumez le feu de signal, ils sauront que la menace est imminente. Je m'en occupe. Quand ils verront le feu, ils sauront quoi faire. Allume le feu de signal au sommet. Ah. Alors avant ça, je voudrais un petit peu explorer. Bah alors, Lara? C'est vous qui êtes venu avec Jacob. J'ai quelque chose à vous demander. Ah bah tiens, qu'est-ce que je peux dis faire? Que Alex. Jacob m'a dit que vous aviez un don pour l'exploration. Il reste des sites antiques, des tombeaux, partout dans la vallée. Vous avez peut-être vu les avertissements destinés à effrayer les enfants. Ce n'est pas de la superstition. Ces endroits sont dangereux, mais ils renferment aussi des reliques de notre gloire passée. Mais pas seulement des bibelots. Il y a surtout le savoir. Je crois qu'on n'a plus que jamais besoin de ce savoir. 10 ans plus tôt, j'y serais allée moi-même. Mais là, votre aide serait la bienvenue. Les éclaireurs m'ont dit que vous avez déjà exploré un ancien tombeau. Vous voulez bien partager ce que vous avez appris avec nous? Bien sûr. Ils appartiennent à votre peuple. On n'a pas grand-chose, mais j'ai de vieilles pièces d'or. Si l'or a de la valeur pour vous, je pourrais vous en donner à chaque secret que vous révélerez. Dès que vous découvrez un tombeau et récupérez le secret qu'il renferme, revenez me voir. Ah. Pensez de vos efforts. Je vous le promets. C'est un truc sur le long terme, ça, c'est bien. Le prophète et ses fidèles se sont enfuis. Mais ils ont été attaqués. En Syrie. Ok, bon. Faut que je sorte d'ici, moi. Ma corde n'est pas si longue. Ma portée n'est pas assez longue. C'est la merde. Voilà. Attends, j'espère. Non, ça me stresse. J'espère vraiment que ça rame pas en fait. Hein. Là, vous êtes en regardé et vous voyez que ça rame à mort. Retire pour le jeu. Ouais, voyez. Ouais. Ouais. Je dirais, surtout vous tirez des cheveux parce que ça bug à mort. Et si c'est le cas, je m'en excuse pleinement.
Alors là, ça va être compliqué. Hein. Là. Ah, voilà. Ok. C'est marrant que dans ce jeu, dans ces jeux Tomb Raider, je suis toujours en train de grimper, hein. Toujours. Pourtant, je pensais pas que ça serait le truc phare de Tomb Raider, hein, grimper quoi, c'est... Non, vraiment, ça devrait s'appeler Alpiniste, Lara Alpiniste quoi, et pas Tomb Raider quoi. Alpiniste Rider. Je suis en train de sauter là? Putain. Vous me faites faire des trucs vous. Vous me faites faire des trucs impossibles. Flaque de pétrole. Ah. Fabrication des flèches incendiaires. La flaque de pétrole permet de créer des flèches incendiaires. Ces flèches peuvent embraser le tissu, les explosifs et les ennemis dépourvus d'armure. Pour sélectionner les flèches incendiaires, appuyez sur la plusieurs fois sur jusqu'à l'icône du feu s'affiche. La fabrication des flèches incendiaires requiert du tissu, du pétrole et des flèches classiques. Ok. Et donc là... Mais non, faut que... Non. Sérieux, faut que je fasse vraiment ça? C'est vraiment ça qu'il faut faire? Putain, je te jure. Non mais vraiment, je te jure. C'est vraiment le chemin officiel pour aller jusqu'au brûler le machin là. Sérieux? Vous faites ce chemin tout le temps à chaque fois que vous devez brûler le truc là? Franchement. Bah lancer des flèches. Ah ok, okay quoi. RB. Merci Lara. Les autres sont prévenus. Ça devrait leur laisser le temps d'évacuer. Ah, ça me rappelle un petit peu Tu rassembles nos troupes. Très bien. Ça me rappelle Mulan. Le début du film Mulan. Où le chef des 1 là il brûle l'un des feux et du coup t'arrêtes voilà, tous les autres feux qui s'allument pour signaler leur présence. Bref, il faut que j'arrive maintenant. Ah mais alors je t'écoute toi. Attends, je crois que je l'avais loupé. Franchement ça m'a fait chier. Une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Ah mince. Une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. C'est sérieux, j'ai pas assez haut niveau de décryptage. Pourtant, j'ai vraiment l'impression d'avoir un bon niveau là. N'est-ce pas, y a...
Ah, Mongol, je suis au niveau 1. Russe, je suis niveau 3 et Y, je suis niveau 4. Et ça, c'est quoi ça? On dirait une sorte de carte, mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Ah, faut que j'aille au niveau, faut que je sois au niveau 7 en Y. Et je suis niveau 4. Ok, bon bah tant pis. Bonjour. Jacob, des hélicoptères arrivent dans votre direction. Rejoignez-nous le plus vite possible. Mais vous êtes où là? Je sais pas trop ce qu'il veut. Je suis voilà, c'est un peu la merde là. Où se trouve la source divine? Allez, parle! Arrêtez! Ne leur faites plus de mal! Où est-ce qu'elle est? Attendez! Attendez! Il y a un plan! L'Atlas! Il vous y mènera! Ok. Dis-moi plus sur cet Atlas. Ok. Bon ça va, c'est facilement métal, pas C'est bon là? Oh, un lance-flamme. Ça c'est pas bon signe là. Enfin, pour l'instant c'est pas bon signe. Après je pense que je vais pouvoir le récupérer donc ça c'est plutôt cool. Oula. Ah ouais. Même en me guérissant On peut pas tenir cette position plus longtemps. Si on n'arrive pas à les déborder, on va perdre le village.
tous au point de largage. En vrai, ça va me stresser par rapport au bug là, ça va me stresser. Hein. Ça me saoule. Les natifs nous ont repoussés, Croft est avec eux, de nombreux blessés et des cadavres dispersés partout. Nous aurions dû la tuer. Tu as déjà accompli tant de choses. Mais elle va peut-être réussir là où toi tu échoues. Je n'ai pas encore échoué. Tu veux que les Trinitaires viennent s'en mêler? Tu sais ce que ça veut dire. Que je meure leur est égal. Ils n'ont aucun intérêt à ce que je survive. J'ai besoin du pouvoir de la source. Ne t'inquiète pas. Tu vas la voir. Ne perds pas la foi, Anna. C'est la volonté de Dieu. Notre réussite est inéluctable. Je t'en supplie. Trouve-la vite. J'ai peu de temps devant moi. Je suis allé si loin. J'ai tellement enduré ces ultimes obstacles que vous avez dressés sur ma route. Ces péchés que vous m'avez forcé à commettre, il y a forcément une bonne raison. Vous devez me montrer la voie. Accordez-moi la force de continuer pour elle, pour vous, pour les Trinitaires. Pitié. Montrez-moi la voie. Nous vaincrons par le sang. Toi, reste avec moi. Je suis désolée. Votre peuple ne mérite pas ça. Nous avons choisi cette voie. C'est notre devoir. Ça n'a jamais été facile. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. Les Trinitaires ne s'arrêteront pas. J'en ai bien peur. Ils ont beaucoup de ressources. Et cet atlas? C'est un vieux plan de la cité antique. Les Trinitaires ne le trouveront pas à la tour. Beaucoup des miens sont installés dans ces ruines. Ils ne sont pas préparés à un tel assaut. Je peux les aider, Jacob. Vous voulez le faire pour nous? Ou pour ce que vous recherchez? Pour l'instant, c'est un peu des deux. Je vous rejoindrai avec des renforts, dès que tout sera réglé ici. Oui. Il me faut des bandages, dis-moi. On est mal en point, Jacob. Cette attaque nous a dévastés. Nous n'avons plus personne à envoyer à l'Acropole. Je sais. Je m'occupe d'abord de nos blessés. Il faut les emmener dans un endroit sûr. Ce n'est pas redevenu normal. Et non. Je tente de stresser par rapport au bug là. Ça me saoule de vous proposer un contenu qui bug. Je peux vous aider. Cela fait maintenant des mois que les neiges de la montagne ont enseveli le cœur de Kitej. Nous avons envoyé des hommes à la recherche de survivants et de nourriture, mais aucun n'est revenu. Des sons nous parviennent des profondeurs du glacier, mais j'ignore si des gens y sont prisonniers. Il pourrait s'agir des craquements de la glace, mais je dois avouer que cela ressemble à des voix humaines.
Les spectres des guerriers du prophète parcourent peut-être encore les rues gelées. Nous n'en verrons plus personne là-bas. Nous devons accepter le fait que le prophète et la cité ont disparu. Et que nous sommes désormais seuls. Salutations. Tu as de la chance. Salutations. Continuez leur course. Tu te seras vidé de pensant. De la chance ? Ah ! Tu rigoles là ! Ça fait un mal de chien ! Ça va faire mal. Bon, continuons. Bah non, forcément. Alors, on en est où là? On est où? Ah, on va voir si là je peux y aller ou pas. Non, non, ça m'a l'air d'être le bon chemin. C'est mes skis, il faut descendre. Bon, a priori, j'ai pas de objet manquant. Et après, je pense qu'une fois que j'aurai trouvé un feu de camp, je pense qu'on s'arrêtera là. Il doit y avoir un moyen de traverser. Peut-être avec une corde. Ah. Hop. Une sorte de chambre funéraire. Ça fait aussi arène de boss aussi, hein, je tiens à le dire. Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Ah, il y a un feu de camp, mais on va continuer, hein, parce que là, on finit le tombeau et puis après, on... Je m'arrêterai au feu de camp après. Magnifique. Chasseur. Instinct animal, animaux brillent, on s'en fiche de ça. Le temps de viser à stabiliser l'arc demandé est beaucoup plus long. Taux de tir à la tête apparaîtrait quand vous visez correctement à la tête. Bonne source de fabrication. Récupérer, ouais. Expert en pistolet. Effectuer un coup de grâce au pistolet à bout portant. Effectuer un coup de grâce au fusil à bout portant. Effectuer un coup de grâce au fusil à pompe à bout portant. Tirer simultanément 3 jusqu'à 3 flèches sur les déficits verrouillés. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un s'est introduit ici à la faveur de la nuit. Il a rempli ses poches de pièces, renversé des jarres d'huile et de vin, et il a même manqué de respect à ceux qui sont inhumés ici. Je suis consterné à l'idée qu'un des nôtres puisse être dépourvu de cœur au point de profaner ce lieu pour s'approprier de basses richesses matérielles. Nous devons trouver un moyen de protéger cet endroit, même contre nos propres frères.
Ok. Je vois qu'il y a des trucs qui tournent là. Je peux utiliser l'autre bobine pour rapprocher le radeau de l'île. Si je sais, ça fait quoi du coup? Hop, ça ramène. Hop. Hop. Des pièces pour le passeur. Nous sommes peut-être loin de chez nous, mais cela ne fait pas de nous des barbares. Quand nos êtres chers nous quittent, comme c'est arrivé trop souvent cette saison, nous les traitons avec le respect qui leur est dû. Quand nous n'avions pas encore de vignes pour produire du vin, nous lavions les morts dans les eaux du lac. Quand nous n'avions pas de métier pour tisser leurs linceuls, nous les enveloppions dans des fourrures et des peaux. Nous avions apporté quelques pièces, mais nous frappons désormais les nôtres pour que les défunts puissent acheter leur passage dans l'autre monde. Si seulement le prix à payer n'était pas aussi grand. Ok, bon alors. Je suis maintenant passé au niveau 5, niveau en Y. Il y a peut-être un autre radeau pas loin. Oula. Ah ouais, je pensais que c'était le truc, moi. Pas du tout. Je fais du tout. Là, il y a un gouvernail, donc je me dis qu'il est peut-être mieux, je sais pas. Non. Ça fait mal, ça. Bon, alors là, ouais, je vais trouver un autre radeau pas loin. Alors ouais, il y a des radeaux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Ok, pas terrible comme idée. Ouais, alors j'avoue que là je suis pas trop j'en sais rien. J'en sais fiche trop rien. Ouais, alors là pour le coup je sais rien. Là j'ai aucune idée là. J'ai aucune idée. Non. Non, y a pas moyen de nager. Non, en fait, si elle me dit ça, c'est que. En fait, faut que le truc passe ici, quoi. Ouais, c'est chaud de night, hein. C'est vraiment chaud. Hein. La vache! Ah! C'est ça? Ah non. Non, 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 non. Oh, ta maman. Ça m'emmerde. C'est bon, c'est officiel. Ça m'emmerde. C'est officiel. Oh putain.
Non, mais sérieusement! Je vais voir si lui, avec ce photo là, ça passe. Mais genre! Mais. Oh! C'est quoi ce bordel là? Putain, mais j'ai. Mais. What the fuck, j'avais réussi à le toucher là? Ça sert à quoi ça là? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi le truc là? La roulette? Bah pour tirer le pain. Ça sert bien à ramener le bateau. Quel est l'intérêt de mettre une roulette? Mais non, mais pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Pourquoi ça recule le truc? Pourquoi? Pourquoi ça recule? Je ne comprends pas! Je ne comprends pas ce jeu! Pourquoi moi ça recule? Et je veux dire, je tourne peut-être dans le mauvais sens, mais quand je tourne dans le sens, ça c'est bloqué! Je ne comprends pas! Je te comprends pas, jeu! Pourquoi tu me laisses autant? Mais Nick, t'es mort là, putain, sérieux! Après avoir sauté sur le bateau, putain de ta race là! Ah oui. Oui. Ah oui. Merci, sauvegarde. Merci, sauvegarde. Ah oui. Ah oui. Oh, quel orgasme. Oui. Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Un calice en or, digne d'un roi ou d'un prophète. Il a été fabriqué ici, à Kitège. Anatomique, vous avez découvert 54 secondes, machin.
connaissance anatomique, l'emplacement du cœur des animaux en utilisant l'instinct de survie ou en visant vos proies. Tirer dans le cœur permet d'infliger de lourds dégâts. Ces tirs sont sans effet sur les animaux à peau épaisse, les ours et les félins. Ouais, ok. Appuyez sur LF pour activer l'instinct de survie et manez LT pour viser les cœurs des animaux visés. Ok. Ok. Attends, je suis grand pour partir. Oh non, mais sérieux, je vais le bloquer pour partir, je suis sûr. C'est sûr que là, va encore faire des manipulations, c'est sûr. Là. J'avais pas vu ça, ah là, quel abruti. Je me dis aussi, ça me paraît bizarre en fait. Parce que... Normalement les sorties de tombeau c'est plus simple. Voilà. Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Lara, qu'est-ce que tu fais? Ah. Putain, je pensais que j'allais devoir refaire la manipulation. Ouf. Oh, putain. Merci. Attends, non, me dis pas que je suis. Oh, mais. Attends, je suis perdu là. Je suis perdu. Mais. Ah! Oh, putain, ni t'es grand mort, Lara. T'es vraiment casse-couille, hein. Attends, je comprends pas. Je comprends pas là. J'en chie pour un truc aussi simple qu'une sortie. Bon, c'est bon là? Putain, je me casse d'ici quoi, je me casse d'ici. Je fuis ce tombeau là. Je le fuis. Je le fuis. Ah putain, là, sérieux. Où est-ce que je suis encore? Non mais je suis où là? Je fais quoi là? Mais putain, mais elle est où cette sortie là? Sérieux? Elle est où cette sortie? Ah. Quand même! La vache! Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir se regarder et m'arrêter là, donc du coup, je vais devoir continuer.
Attendez. Ça se regardait là, on est d'accord. Donc ouais, je pense. Attendez, au pire. Voilà. Hop. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Ça faisait longtemps que j'avais joué à Tomb Raider. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Du coup, on se dit à la prochaine pour la suite de Tomb Raider. Allez, bye bye!